Je pense qu'il y a eu un fort consensus, et ça s'est ressenti tout au long de cette table ronde, sur le fait que le mobile remettait des choses à plat, et notamment sur le fait que proposer des services qui n'étaient pas intuitifs, qui n'allaient pas chercher un besoin de service fondamental chez les utilisateurs ou chez les clients, était contre-productif. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le second point... Petit aparté, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de sujets techno qui allaient être abordés. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être un sujet qui était maîtrisé par tout le monde, soit quelque chose qui devenait secondaire et que les budgets de développement d'applications mobiles ou de services mobiles étaient tels qu'il fallait d'abord penser à comment exister correctement du point de vue marketing, comment adresser tous les points de rupture ou les points fins au niveau de l'expérience utilisateur à travers des parcours clairs, et comment aussi arriver à exister légitimement en apportant des vrais services complémentaires qui peuvent être en rupture par rapport à la concurrence. Voilà, donc ce sont en gros les trois points majeurs que je retiens de tout ce qui s'est dit, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses quand même.